Dès le matin là, je fais une crise cardiaque. Hein. T'es une vraie gogole. Tu vas faire quoi maintenant si je meurs un matin avec une crise cardiaque? Vanette va leur dire hein, je vais prendre mon mari. Tu fais des trucs de fou. Hein. T'es même pas drôle. Hein. Si t'étais drôle, ok, t'es même pas drôle. Non, mon cœur, je suis drôle. Je suis drôle. Je suis drôle. Une crise cardiaque, tu vas passer au journal. Là. Dès le matin, tu fais des trucs comme ça. Laisse-moi pas les gens faire tranquille. Oh, arrête! Arrête! Donne ça! 12 euros de montage. On fait un café! C'est des montres moins chères qu'en magasin, authentiques. C'est la Michael Kors, elle est trop belle avec un bronzage, elle ressort de ouf. Tu la mets à ton poignet. Tu peux la payer en plusieurs fois. Moi, là, je vais donner moins 20 euros. Elle est authentique, je la reçois dans la boîte avec le certificat d'authenticité, le sachet d'origine. Enfin, vraiment, tout d'origine. Il y a des montres hommes et femmes. Il y a plein de montres. Mon 20 euros, il est dispo. Pour les deux types de montres, hommes ou femmes. Et dis-toi, il y a livraison gratuite aussi en Belgique. Il y a remise en main propre à Bruxelles. Et il y a livraison gratuite aussi en France. Elle est trop belle, la montre. C'est une trop belle montre. Vraiment, c'est une montre que tu gardes à vie. Elle est garantie 2 ans contre le mécanisme aussi. Franchement, c'est une pépite, cette montre. Regarde, il y a plein de monde, plein de modèles. Ça, c'est les modèles hommes. Elle est trop belle, celle-là. Celle-là, elle est belle. Elle peut penser un peu à la Hublot. Celle-là, ça me fait penser un peu à la Rolex, mais c'est n'importe quoi. Il y a vraiment tout. Les montres, pas chères, authentiques. Et en plus, tu as moins 20 euros avec Marie Duc. Il y en a vraiment de tout. Hein. Il y a plein d'autres modèles. Il y a des Burberry femmes et tout. Ça, c'est une Michael Kors. Il y a même la Michael Kors en tout or, pas en or et argent. Franchement, regarde les montres qu'il y a. Celle-là, mon frère est là, je crois. Elle est trop belle.
Bina ABD, coucou, j'aimerais trop ce concours. Maman solo de 7 enfants, 17 ans, 16 ans, 13 ans, 12 ans, 5 ans, 4 ans et 2 ans. Voilà, je te récompense pour toutes les actions que tu as faites. Mashallah, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Waouh. Coucou, ma chérie, t'as gagné. Je vais te faire. Maman de 2 enfants, Monia et Naïm. On participe à ce jeu, bonne rentrée à tous, on t'aimera. Coucou ma chérie, t'as gagné. T'es la deuxième gagnante. Je te fais les jours. Prunelle de mes yeux, coucou. Princesse Yuyu, je suis maman de 4 ans, je participe. J'ajoute. Coucou ma chérie, t'es la troisième gagnante, je t'ajoute. Emma Véroque. Moi, s'il te plaît, pour mon enfant de 13 ans, les fournitures scolaires. Coucou ma chérie, t'as gagné. Je te fais ton virement. Emma Véroque. Moi, s'il te plaît, pour mon enfant de 13 ans, les fournitures scolaires. Coucou ma chérie, t'as gagné. Je te fais ton virement. Emma Véroque. Moi, s'il te plaît, pour mon enfant de 13 ans, les fournitures scolaires. Coucou ma chérie, t'as gagné. Je te fais ton virement. Emma Véroque. Moi, s'il te plaît, pour mon enfant de 13 ans, les fournitures scolaires. Coucou ma chérie, t'as gagné. Je te fais ton virement d'argent. Emma Véroque. Moi, s'il te plaît, pour mon enfant de 13 ans, les fournitures scolaires. Coucou ma chérie, t'as gagné. Quatrième. Sophie m'a dit Mia Maël. Merci Yousra pour ce concours. Ayant 3 enfants, dont 2 qui rentrent à l'école. Ça me ferait tellement plaisir de gagner. Je vais l'ajouter. Coucou ma chérie. Alors, félicitations à toutes les mamans qui ont gagné. Désolée, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a eu que 5 gagnantes. J'en referai de toute façon. Hein, il n'y a pas eu beaucoup d'espace entre le dernier concours, c'était le dernier jeu, c'était les 3000 euros là, et celui-ci. De toute façon, je vais essayer d'en faire un max tout le temps, pas trop éloigné. Et surtout, courage à toutes les autres. Mon cœur est là avec vous. Je vais me lisser les cheveux, ça fait longtemps, on va voir la longueur à laquelle ils sont lissés. Je vais me lisser les cheveux, ça fait longtemps, on va voir la longueur à laquelle ils sont lissés. Je vais me lisser les cheveux. Je vais faire cette mèche, je ne l'avais pas fait à la racine. Un seul passage suffit, ça plisse directement les cheveux. Je vais faire cette mèche, je ne l'avais pas fait à la racine. Un seul passage suffit, ça plisse directement les cheveux. Mon meilleur lisseur de toute ma vie, ça va faire 1 an et demi, 2 ans, je l'ai. J'utilise que lui, il n'y a que lui avec qui je me lisse les cheveux. Ça ne va jamais m'abîmer les cheveux parce qu'il est en pierre semi-précieuse. C'est à la pierre de tourmaline. En fait, la fumée va venir protéger le cheveu. Tu peux te lisser 10 fois les cheveux dans la journée. Ça ne va jamais te brûler le cheveu ou te le rendre sec. Ou quoi, au contraire, ça va gainer tes cheveux. Regarde, ils sont bien gainés. Et ça va donner de la brillance en même temps aux cheveux. Regarde. C'est pas moi qui je m'en parle, quoi. En direct. Tu vois que ça brille. C'est pour tout type de cheveux. Surtout le type de cheveux bien curly, crépus. Ça va le lisser en 7 minutes. C'est un bête de lisseur. C'est un 2 en 1. Si tu veux faire aussi des ondulations, brushing, tu peux. C'est un 2 en 1. IMK, c'est une marque d'Angleterre. Qui est distribué dans les salons en Angleterre, ça a été connu cette marque. C'est vraiment un vrai appareil de pro, quoi. Mon best lisseur en tout cas.
regarde quel désastre c'est venu. Je sais pas comment ça fait pour renverser. Ça se voit, c'est lui là. Il a. C'est toi, t'as ouvert. Ça me saoule parce que ça me saoule. J'ai vraiment cru que j'avais réussi. Après, l'odeur, elle est bonne là. Donc, de toute façon, même si c'est renversé, et je reprends tout ce qui est renversé, c'est propre. Je l'ai. Et en plus, le truc, je l'avais mis au lave-vaisselle. Donc, c'est archi propre. Je vais reprendre. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai une fourchette, pourquoi là? J'ai pas peur. Tu fais quoi là? J'ai vu un truc sur internet, genre du sexe. C'est quoi? T'es sérieux? Là, mais tu sais que ça, on essayait quand on était petit en fait. Hein. T'es démodé de ouf. Hein. Depuis quand tu connais pas ça toi? T'as jamais essayé toute ta vie, même au quartier, rien. Le frère avec un frère à lycée. Ouais, c'est vrai que t'as pas de lycée quand même toi. T'as jamais vu ça? Wesh, ça sent popcorn comme au cinéma. Hey, je suis choqué, attends. Tu sais que tu tapes la honte de ouf. Hein. Vas-y, bouge-la. Bouge-la. Oh, merci, monsieur. Tu sais que tu tapes grave la honte. Tu tapes grave s'il te plaît, recule de mon espace. C'est... Vas-y, bouge-la. Bouge-la. Oh, merci, monsieur. Tu sais que tu tapes grave la honte, tu tapes grave s'il te plaît, recule de mon espace. Mais c'est Maïus Harum. Non, t'as raison. T'es sérieux là? Tu continues? Mais voilà, ça, j'ai envie de c'est toi qui as encore la crème brûlée? Non. Pourquoi c'est renversé? C'est pas toi et moi, j'étais là. Je suis en train de faire du popcorn. Hein. Mais j'étais là avant toi que tu fasses ton popcorn. Mais tu te la racontes là. Attends, on va voir déjà. Genre pour toi là, c'est un truc de ouf. Je crois pas que ça marche. Genre pour toi, c'est un truc de ouf. Non, je crois pas que ça marche, c'est un fake truc. Je te dis que ça marche. D'accord, t'as raison. Non, je te dis que ça fait je sais pas combien de temps je suis en train d'attendre, là ça marche pas. Mais je te dis que ça marche. Je vois pas que ça... Ça marche pas. Ouais, ça marche. Ça sent pas quoi. Menteur. Mais ça marche pas. T'es sérieux quand tu viens de découvrir que ça maintenant? Ça marche pas. Ça existe depuis que je suis petite. Hein. D'accord. Tout le monde disait que si tu mets de la chaleur à un popcorn, ça le truc. Mais ça marche pas, il popcorne pas. Bah popcorn pas. C'est un popcorn bizarre, quoi. Tu sais que déjà, si t'as envie de faire un bol, tu vas rester, je sais pas, t'as remis ton verre, tu sais que tu vas rester hyper longtemps. Genre demain, t'as même pas encore fini de remplir ton bol, en fait. Tu le sais. Hein? Attends. Ça popcorn. Oh là, ça popcorn. C'est normal, il a plus de joie en faisant cette expérience qu'en me voyant moi le matin. Pour toute la journée. Voilà sa popcorn. Être à mort. Alors, soit t'es trop en retard, ou soit il y a un problème. Oui, j'étais sérieux. Attends, je suis en train de faire un deuxième. T'es même pas drôle, non. Et tu vas déjà te dire que moi, avec mon masque, je suis pas drôle avec tes histoires de popcorn. T'es archi pas drôle, t'es trop jeune, hein, carrément. Voilà sa popcorn. Sa popcorn, allô. Avec un fer à lycée. Qui a pensé à ça? Les gens, ils sont fous. Quand j'ai vu ça sur internet, j'ai dit, ah, c'est impossible, ça marche pas. Et ça marche, donc ça veut dire qu'il y a un mec à la maison qui s'ennuyait. En fait, là, j'ai. Une meuf, elle a pris son fer à lycée, elle a pris des graines de maïs, elle a mis dedans, elle a dit, je vais me faire des bonnes. En fait, j'ai pas compris, là, tu penses que tu vas faire tout ton bol, là jusqu'à demain, comme je t'ai dit, t'es encore là. Je vais pas faire tout le bol. Là, je fais un deuxième, là, pour être sûr, mais que de 100% ça marche. Voilà sa popcorn. Il m'a saisi. Je m'y attendais pas. Ça. Voilà ça. Vrai popcorn. S'il te plaît, arrête avec tes trucs, viens, on regarde un film. On regarde Outer Banks. Comment je choisis? Non, Outer Banks. Vas-y, il sait même pas, je vais le faire. Tu sais ou pas? Ben, je vais mettre un paquet de chips.
J'ai pris ça sur mon granola. C'est sûr, elle va venir. Se servir. Inch'Allah, il prend pas ça ou ça. J'ai pris ça sur mon granola. C'est sûr, elle va venir. Se servir. Inch'Allah, il prend pas ça ou ça. J'ai pris ça sur mon granola. C'est sûr. Pourquoi? C'est les chips? Ils vont mourir. Ils vont mourir. Quoi? C'est qui va les enlever? Mais pourquoi tu craches? J'ai pas compris, t'en as mangé un? Comment t'as un poids avec moi, wesh? T'en as mangé un? Non. Bah c'est quoi alors tout ça depuis tout à l'heure? Sortir avec mes dents. C'est bon, je suis vivant. Il est où celui qui était sur moi? Il est là, il est... Pourquoi il est en train de le manger? Ils sont énormes. Il bouge pas. Pourquoi je t'approche de ça, toi? T'as pas peur? Bah non, il bouge pas. Oh, il y en a plein. Ils sont morts. Attends. Attends quoi? Bouge pas. C'est plus clair. Ah oui, je me suis enfermée, je vais. Ah, je vais pas être là-bas, ça y est. Il a capté que c'était moi, il a la scène de ouf là. Ah oui, je me suis enfermée, je vais. Ah, je vais pas être là-bas, ça y est. Il a capté que c'était moi, il a la scène de ouf là. Ah oui, je me suis enfermée, je vais. Ah, je vais pas être là-bas, ça y est. Il a capté que c'était moi, il a la scène de ouf là. Ah oui, je me suis enfermée, je vais. Ah, je vais pas être là-bas, ça y est. Il a capté que c'était moi, il a la scène de ouf là. Ah oui, je me suis enfermée, je vais. Ah, je vais pas être là-bas, ça y est. Il a capté que c'était moi, il a la scène de ouf là. Ah oui, je me suis enfermée, je vais. Ah, je vais pas être là-bas, ça y est. Il a capté que c'était moi, il a la scène de ouf là.
Bah, tous mes commentaires TikTok, je reçois grave, t'as grossi, moi je le vois pas hein, que j'ai grossi. Parce que du coup c'est moi-même, je le vois sur la balance, mais moi ça me fait bizarre, enfin je le vois pas d'un œil extérieur. C'est plus les gens qui le voient. Tu prends deux gélules comme ça. Ce verre-là, c'est ma pépite, mais il est cassé, mais il reste un rebord, donc je l'utilise quand même. Ça me dérange pas, mais je vais pas le louper. C'est pas comme si ça se vendait ici. Et tu prends 2 cuillères de sirop. Et ce sirop, c'est une pépite avec les gélules 8 Bougie. Depuis que j'utilise, ça te fait bouffer de ouf. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que je bouffe. Quand je prends ça de matin, 2 cuillères de sirop et 2 gélules, je vois que je bouffe toute la journée. Et le soir, je reprends et je bouffe toute la nuit. Alors hier, on a commandé des milkshakes et tout, tellement que je finis tout et j'aime trop. Et en fait, mon estomac, il s'agrandit de ouf. Le sirop, il n'est pas dégueulasse. Là, j'ai ouvert ma deuxième bouteille. Le sirop, il n'est pas dégueulasse. Les 2 premiers jours, fais-le quand t'es en week-end. Comme ça, même si t'as un peu du sommeil, et ben, le sirop, il te ramène un peu de sommeil, ben, tranquille, tu seras à la maison, quoi. Tu seras pas au travail. Bref, si tu veux faire une prise de masse, moi, c'est elle que j'utilise. Et dis-toi que c'est pour hommes et femmes, la base. Ça va faire quand même 10 minutes que je suis dans la pièce, hein. Je vais rester enfermée toute la nuit dans la pièce. Ça va faire quand même 10 minutes que je suis dans la pièce, hein. Je vais rester enfermée toute la nuit dans la pièce. Ça va faire quand même.